les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur avec mon joueur. Aujourd'hui nous allons continuer la carrière au mercato hivernal actuellement. Comme vous savez, on vient de rejoindre une équipe mercato estival. Donc je pense pas qu'il va me faire une. Sincèrement, je pense pas. Donc aujourd'hui on va commencer par demi-finale de la Pokale, la DFB Pokale, donc la Coupe allemande. Donc on va jouer le match contre la Bayern 1, le match de coupe contre le FC Fribourg et le match de Schalke 04. Ensuite on passera les deux matchs contre l'Union Berlin et Hoffenheim pour enfin débuter l'Europa League avec Borussia Dortmund. Et je pense que en simulant, on a déjà fait 100 apparitions. Voilà. On a déjà joué 100 matchs. On va jouer contre la Cabernet sans plus tarder. C'est parti. Voilà. Et je vous laisse avec les meilleures actions. Et voilà, une passe décisive. On perd pas de temps. Allez, 2-0. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight that? Je pense que les deux joueurs, la frappe, quel mauvais timing, c'est pas quand je suis pas, quand je pars, quand j'ai déjà dépassé. Des fois, soit tu donnes le ballon. Oui, la passe en profondeur. Une passe en profondeur. La frappe. Ouais, oh là là. Je fais fort 3 passes décisives. S'il avait mis, j'aurais pu marquer. Oh, c'est ma 3ème passe décisive. Pour la première fois de ma carrière, j'aurais pu faire 3 passes décisives sur le match. Voilà. Tout ça, tout. Donc voilà, victoire facile, 4-0. Donc le deuxième buteur c'est Gabriel Barbosa, le quatrième. Dans ce match, une passe 2, un but. Non, deux passes 2 et un but. Clairement, ça nous a permis d'être l'homme du match. Là, on commence la focale. Allemagne et on va jouer contre le FC Fribourg. Je pense que on est encore deux pas décisif. On est leader et meilleur passeur de l'île. Donc en championnat, le meilleur buteur avec 24 buts maintenant, je crois. Et le meilleur passeur maintenant avec 6 buts à égalité avec De Guzman, le milieu offensif de Francfort. Voilà. Sincèrement, clairement, je pense que
pour le moment, au début je suis Bayern, mais c'est pas clair. Donc maintenant, on va jouer contre l'FC Fribourg. Et voilà, ensuite on va rejouer contre l'FC Fribourg, mais je pense pas. Je peux pas jouer, je pense que je vais passer. Et passer aussi le match. En fait, je sais pas comment on peut le faire, mais on va essayer de jouer au moins 4 matchs. Donc voilà, et on va lancer le match. On va lancer le match et on va essayer de se qualifier pour. Je pense. On va pas se. Avec lui, pas trop vite, mais je pense qu'on va se qualifier pour le prochain tournoi. Allons-y. Alors. Non! Oh là là, c'est. Non! Match pas! T'as vu, voilà, comme ça, déjà avec la ronde, voilà. Et c'est une tête 5 ans là, comme ça. Facile, on a du mal. Brenda, c'est pareil. Suite de face comme ça, comme là, tête 5 ans là, la tête. Et merde. Oh là là, la tête n'est pas passée. Non. Elle aurait pu passer pour être en lucarne. Oh. Je l'ai mal ajusté. Donc les amis, comme vous avez pu voir, maintenant on est au tir au but face au FC Fribourg. Ils m'ont remplacé lors des débuts des prolongations. Et on a eu énormément d'occasions, mais aucune n'a été rentrée, même la dernière minute, aucune n'est passée. Donc je vais vous laisser là avec les séances de pénalty. J'ai peur qu'on se fasse éliminer dès le premier tour de coupe en pokal. Donc c'est parti, déjà c'est Piatek qui va tirer. Donc, j'ai peur, c'est parti. Donc Piatek qui la frappe, bien placé, c'est pénalty. Le Berki arrête celle-là. Berki, oh. Grosse frappe en milieu. Calme. Il droite, il est très riche en tête. Marco. Allez, on joue. C'est un peu de jeu. Comme ça, on prend. En l'air. Oh, Berki, la bouge. Julian, bravo. Bah, en fait, j'ai envie de vous passer. Non, mais en tout cas, ça s'accélérait, mais je ne sais pas. Oui, oui, tu l'as raté, peut-être de merde. Petite merde, merci. Gelatska, nouvelle recrue, t'as vu en même temps que moi. Tu peux la mettre, héros. Oui, Gelatska, bien joué, Gelatska. Pas trop de temps, s'il la rate, c'est fini pour eux. S'il la rate, c'est fini. Sinon, on rate son marque. Mène au troisième tour, je pense que ce sera les quarts de finale, si je ne sais pas, entre les quarts ou les demi-finales, je pense. Je pense que non, on va directement jouer. Et en vrai, je sais pas. Ouais, ce sera les quarts de finale contre le Wander Vermeil. Donc là, je vais passer le match contre les FC Fribourg. Donc voilà, c'est 160 victoires sur eux. Mon couple. FC Fribourg, ils ont très bien tenu. Je dis pas qu'en championnat, ils vont tenir aussi, frérot. Oh là là. Donc là, on a déjà. Sincèrement, je crois que je suis très très fier. Mais il aurait pu me laisser. J'avais assez de cartes carrément. Il m'a laissé le temps de me reposer. Mais non, il voulait me remplacer. Donc, ben, tant pis. Hein. Donc, victoire 2-0. Et ça fait. Ouais, ça. Victoire 2-0 contre Fribourg. On est maintenant à 52 points. Ah ouais, on est large. C'est sûr que. Au vu de ça. Là, attendez. Là, on est. Niveau classement.
faire un petit tour au classement. Au classement, on est premier avec 52 points, 16 victoires, 4. Donc, pour vous dire qu'on est à, pour le moment, on est avec le gardien. Je pense que je vais vous dire que notre première défaite a été contre le Hertha Berlin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 matchs sans défaite. C'est bon. Donc, le match contre Schalke 04. Ensuite, je vais passer les deux matchs contre l'Union Berlin et Hoffenheim pour débuter l'Europa League. Donc, sans plus tarder, on va jouer cette dernière action. Un deuxième en plus, waouh. Chef. Non fils, car fils à papa. La balle n'a pas tourné. Oui, penalty. Non, je suis blessé. Putain, non. Oh là là, je suis blessé, frérot. Non. Vraiment blessé, c'est bête. Allez, sur ça. Ah, what the fuck, man. Elle était cadrée, mec. Frérot, je t'ai fait une appel de balle. Et ouais, je me fais sortir. Oh les bâtards. Non. Je suis blessé, le fils de... Bon, suite à ma sortie sur blessure, on perd sur le score de 1-0. Là, j'ai peur, comme dit, que je suis blessé. Bon, c'est bien, j'augmente un peu. Je sais pas si j'ai augmenté d'un général, mais je m'en fous. Là, j'ai juste un peu peur qu'ils me disent que je suis. En fait, j'ai peur qu'ils me disent que je suis pas apte à jouer pour le match contre. Pour le nombre de temps que je vais pas jouer, parce. Une case. Donc, je suis pas convoqué pour le match contre l'Union Berlin. Faut que je dois aller regarder. Frérot, j'ai peur. Me dis pas pendant combien de temps je suis absent. 3 semaines. Trois semaines. 1, 2, 3. Je pourrais pas jouer contre la... Je pourrais pas débuter l'Europa League. Bordel, j'ai peur. Oh, non, je suis obligé de simuler le match. T'es fou, jamais je le jouerai. Purée, je pourrais pas débuter l'Europa League. Oh, non, c'est horrible. Non, j'y crois pas en vrai. En fait, je sais pas si par le nombre de cases signifie une semaine en vrai, mais. Ouais, c'est ça, le nombre de cases. Oh là là, non. Et on a perdu contre l'Union Berlin, 2-0. On enchaîne deux défaites d'affilée. Oh là là. Mais on est loin devant. Je pourrais pas débuter l'Europa League. Ah ben, on va simuler ces trois matchs, hein. Je suis blessé, je pourrais pas débuter l'Europa League. Oh, phase finale de l'Europa League. Oh non, je pourrais pas débuter l'Europa League. J'espère qu'ils vont pas perdre. Bon, on est qualifié. On a gagné notre match contre
Hoffenheim 3-1. Et là, je peur. Là, c'est l'Europa League. J'aurais aimé débuter l'Europa League. Donc, on va le passer. J'espère qu'ils l'auront au moins gagné, remporté, machin chouette. C'est tout ce que je demande. S'ils l'ont remporté, s'ils gagnent le match aller, c'est parfait. Comme ça, dans le match retour. Voilà, mais s'ils ont perdu le match. Là, j'ai peur. Oh non! Oh non! Oh là 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 là! Non, non! On a perdu sur un score de 3-0! Non! J'y crois pas! Non, mais sérieusement! J'y crois pas! Oh là 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 là! Je suis encore absent! Encore une semaine! Ah mais oui, passe! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ces deux-là, c'est en une semaine. Oh, non! J'y crois pas! On a perdu sur un score de 3-0! En Europa League, on a perdu sur un score de 3-0! Non, 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 non. Avec Toulouse, on avait perdu le match aller. Non, au match aller, je pense qu'on avait fait un match nul. Non, je pense qu'on avait perdu le match aller avec Toulouse. Et au match retour, j'espère qu'on va pas refaire la même chose. On est tellement bon au championnat. Frérot, je suis toujours blessé. Non, mais sérieusement. Même pour ce match-là, je suis toujours blessé. Non, mais c'est quoi ce truc de malade? Non, 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 j'ai peur. En vrai, j'ai peur que je ne sois pas convoqué pour le match en retour en Europa League à cause de ma blessure. Je ne sais pas combien de matchs je viens de rater là. Au moins sur le bon. Quoi? Yes! Je suis titulaire pour le match en Europa League. Donc, je pense qu'on a du 1, 2, 3. On a 5 matchs simulés. On les a sur les 5 matchs. On en a perdu 3. 3 matchs, on a perdu. Non, 4. Quand je suis sorti. Putain, sur les 4 matchs, sur les 5 matchs que j'ai simulé, on en a perdu 3. 2 en championnat et 1 en Europa League. Oh là là. Ah, frérot, et il y a le Bayern qui nous rattrape. Sincèrement, on va aller regarder les autres matchs. Voilà. Et le Hertha Berlin qui a gagné sur Marseille. 3-0. Sincèrement, pensez-vous qu'on... Non, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve à très très vite pour jouer le match retour en Europa League. Sur ce, les amis, on se dit à la prochaine pour la suite de la carrière joueur avec Ricky.